Dans cet exercice sur le suivi temporel d'une transformation chimique, nous allons étudier, ou bien plutôt nous allons faire le suivi d'une transformation chimique qui se passe entre le carbonate de calcium solide et les ions H+ d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Cette réaction donne comme produit le CO2 gaz, le dioxyde de carbone gazeux, des ions Ca2+ aqueux et de l'eau liquide. Alors cette étude, bien ce suivi, va se faire par deux méthodes. Alors la première méthode consiste à mesurer le volume de gaz CO2 formé. Et pour cela, le montage utilisé est constitué d'un Erlenmeyer contenant le mélange réactionnel. Dans ce mélange, il y a le CaCO3 solide et la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. CaCO3 solide va réagir avec H+, ici Cl-, c'est un ion indifférent. Le CO2 formé va passer par ce tube, c'est un gaz, il va passer par ce tube et il va finir dans cette éprouvette graduée dans laquelle il va occuper un volume V. Et ce volume V, au cours de la réaction, il augmente en fonction du temps. Alors nous allons mesurer à des instants différents le volume du gaz formé, parce que cette éprouvette, normalement, il est gradué, donc on peut lire directement sur la graduation de l'éprouvette la valeur du volume du CO2. Et nous allons tracer la courbe V de CO2 en fonction du temps. C'est une courbe croissante, c'est normal, parce que le volume de le CO2, c'est un produit. Donc, c'est une fonction croissante. Deuxième méthode. Alors, dans la deuxième méthode d'étude et de ce suivi temporel de cette transformation chimique, la deuxième méthode consiste à mesurer la concentration des ions H+ restants en solution aqueuse. Et nous allons utiliser pour cela un pH-mètre. Alors, le pH-mètre, ça sont des lait trempés dans le mélange réactionnel. Toujours, c'est le même mélange, le même mélange réactionnel utilisé pour l'étude par volume de CO2. Ici, on doit mesurer, à des instants différents, la valeur du pH par ce pH-mètre. Parce que nous allons voir dans le prochain chapitre que le pH, il est lié directement à la concentration des ions H+. Ça veut dire, si on connaît le pH de la solution, on peut déterminer la concentration des ions H+. Et la mesure de cette concentration à des instants différents va nous permettre de tracer la courbe concentration de H+, en fonction du temps. C'est une courbe décroissante, c'est normal, parce que c'est un réactif. Cette concentration, elle est en train de diminuer. Autre remarque, c'est que c'est ce volume réactionnel, le volume de cette solution, c'est ce volume que l'on va utiliser dans l'expression de la vitesse volumique V égale 1 sur V dx sur dt. Et nous allons, pour ces deux méthodes, nous allons utiliser les deux courbes. Pour les deux méthodes, nous allons calculer la valeur de la vitesse volumique de cette réaction à l'instant t égale 50 secondes. Aussi, nous allons calculer par les deux méthodes le temps de demi-réaction t1/2 pour cette transformation. Et nous devons, normalement, parce que c'est la vitesse volumique de la même réaction dans les mêmes conditions, et au même instant, nous devons trouver la même vitesse volumique. De même pour T1/2, le temps de demi-réaction, c'est le temps de demi-réaction de la même transformation dans les mêmes conditions. On doit trouver la même chose, sauf qu'il y aurait des... parce que ce sont des mesures expérimentales, donc on aurait des valeurs approximatives, ça veut dire on ne peut pas avoir exactement... on ne peut pas aboutir exactement au même résultat, mais on doit s'attendre à des résultats très rapprochés. Dans la première façon d'étudier le suivi de cette transformation chimique,
nous allons procéder par mesure du volume du gaz CO2 formé. Et nous devons établir l'expression de la dérivée de l'avancement x de cette réaction en fonction du temps, ou bien la dérivée de x par rapport au temps. Ensuite, déterminer l'expression de la vitesse volumique de cette réaction à un instant donné. Et nous devons commencer d'abord obligatoirement par le tableau d'avancement de cette réaction. Dans la première ligne de ce tableau, nous avons l'équation de la réaction chimique. C'est une réaction totale. Dans la deuxième ligne, vous avez ici l'état initial, ça veut dire l'état où l'avancement est encore nul. Vous avez Ni, c'est la quantité initiale de CaCO3 solide. Je l'ai noté Ni. Pour H+, la quantité initiale, parce que c'est une espèce dissoute, la concentration fois le volume de la solution, la quantité de matière formée de CO2, il est encore nul. De même pour Ca2+, et l'eau, c'est le solvant, il est en excès. Pour l'état en cours de transformation, ou l'avancement Cx, ça veut dire à un instant donné T, vous avez Ni moins X, CVS moins 2X, ici il faut faire attention aux coefficients stoichiométriques, X, et l'eau, il est en excès. Alors, deux remarques d'abord, c'est que cette réaction est totale, donc la valeur de X final, elle est égale à celle de X max. XF est égal à X max. L'avancement final est égal à l'avancement maximal. Deuxième remarque, c'est que CaCO3, il est utilisé en excès. Ça veut dire qu'il ne peut pas être conçu. Il est utilisé de telle façon, ou bien sa quantité, elle est de telle façon à ce qu'il ne soit pas consommé totalement à la fin de la réaction. Donc, celui qui va être consommé totalement à la fin de la réaction, c'est H+. Donc, automatiquement, si celui-là est en excès, celui-là, il représente le réactif limitant. Donc, lorsque j'ai à calculer X max, je dois utiliser la relation CVS moins 2X max égale 0. Ça veut dire que je dois considérer que H+, est le réactif limitant. Alors, pour déterminer d'abord ce tableau d'avancement, il va nous permettre de lier X avec les quantités de matière des réactifs ou bien d'un réactif ou bien d'un produit. Donc, par conséquent, on peut lier X avec le volume si c'est un gaz, avec la concentration si c'est une espèce dissoute, ou même avec la conductivité s'il s'agit d'une étude conductimétrique, ça veut dire une étude au cours de laquelle on mesure la conductivité de la solution à des instants différents. Alors, pour déterminer l'expression de la dérivée de x par rapport au temps, je dois écrire qu'à l'instant t, ici je dois exprimer dx sur dt en fonction du volume du CO2. Donc je dois considérer cette colonne. Alors dans cette colonne, je peux lire que à l'instant t, la quantité de matière, elle est égale à la quantité de matière de CO2, elle est égale à x. Donc la dérivée de x, donc x, puisque c'est la quantité de matière d'un gaz, c'est le volume de ce gaz à cet instant, divisé par le volume molaire des gaz. Ici Vm, c'est une constante. Alors dx sur dt, je dérive la x par rapport au temps, il est égal à la dérivée de ce rapport par rapport au temps. Or, ce rapport, il est composé de deux grandeurs. Une variable, c'est le V de CO2, et une constante, c'est Vm. Donc, la dérivée d'une fonction fois une constante, fois 1 sur Vm, c'est la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Ici, la fonction qui varie, c'est V de CO2, elle varie en fonction du temps. Donc, j'obtiens la dérivée de x par rapport au temps, est égal à 1 sur Vm d de V de CO2 par rapport au temps. Et par conséquent, je peux exprimer la vitesse volumique parce que la vitesse volumique de cette réaction à un instant donné, c'est 1 sur Vs, la dx sur dt. Je remplace dx sur dt par son expression. J'obtiens V égale 1 sur Vs fois 1 sur Vm fois la dérivée de V par rapport au temps. Alors après, pour déterminer la vitesse volumique de cette réaction à un instant t, 1 sur Vs fois Vm, c'est une constante. Vs, c'est le volume du mélange réactionnel. Vm, c'est la valeur du volume molaire des gaz.
Alors il reste, ce qui varie, c'est d, c'est la dérivée de v par rapport au temps. Or ici, nous avons la courbe, la dérivée, la courbe v du CO2 en fonction du temps. Donc cette dérivée, elle est égale à la pente de la tangente à cette courbe, à un instant donné. Donc si je peux calculer cette dérivée, cette pente, je dois la multiplier par 1 sur Vs fois Vm pour obtenir directement la vitesse volumique à cet instant. Et en pratique, pour déterminer la valeur de la vitesse volumique de cette réaction à un instant t, j'utilise cette relation que nous avons établie, 1 sur Vs fois Vm, la dérivée de V du CO2 formé par rapport au temps. Alors dans cette relation, je dois déterminer graphiquement, j'ai déjà un Vs, Vm, je dois déterminer graphiquement la valeur de dv sur dt, et elle représente à t égale 50 secondes la pente de la tangente à la courbe. Donc je dois situer le point, l'abscisse t égale 50 secondes, ensuite le point correspondant sur la courbe, ensuite je trace la tangente à la courbe en ce point, je prends deux points quelconques de cette tangente. Alors le premier point d'abscisse 20 secondes et d'eau 20 secondes et d'ordonnée 5,5 millilitres. Le deuxième point d'abscisse 75 secondes et d'ordonnée 13,5 millilitres. Alors je dois calculer la pente de cette tangente en utilisant ces valeurs, ça veut dire 13,5 moins 5,5 en millilitres divisé par 75 moins 20 secondes. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors d'abord, l'application numérique V égale 1 sur Vs, c'est 50 10 puissance moins 3 litres, parce que c'est 50 millilitres. Vm, c'est 22,4 litres moins le moins 1, multiplié par 13,5 moins 5,5. Je convertis ces valeurs en litres, ça veut dire que je dois multiplier par 10 puissance moins 3, divisé par 75 moins 20 secondes. Ça donne, alors le calcul, la valeur numérique, c'est le résultat numérique, c'est à peu près 1,30 10 puissance moins 4. Et l'unité, ici, je simplifie par litre, il reste mol moins 1, au numérateur devient mol, divisé par litre, divisé par seconde, ça veut dire mol, litre moins 1, seconde moins 1. Et pour déterminer le temps de demi-réaction T1/2 pour cette transformation chimique, nous devons le faire graphiquement, ça veut dire en utilisant la courbe V de CO2 en fonction du temps. Et pour cela, nous allons d'abord déterminer l'ordonnée V1/2 correspondant à T1/2, ça veut dire le volume de CO2 formé en cet instant, T1/2. Et pour cela, nous allons utiliser le même tableau d'avancement et nous allons partir de la définition du temps T1/2, du temps de demi-réaction. Alors, AT égale T1/2, par définition, vous avez X1/2, l'avancement, il est égal à la moitié de sa valeur finale. Ça veut dire qu'il est égal à X final sur 2, donc c'est X max sur 2 parce que, dans ce cas, la réaction, le total, X final égale X max. Alors, je vais chercher X max parce que H+, nous avons dit que c'est le réactif limitant. Donc, CVS moins 2X max égale 0. Donc, X max égale CVS sur 2. Donc, X1/2 est égal à CVS sur 2 divisé par 2. Donc, c'est CVS sur 4. Ensuite, nous allons passer par la quantité de matière de CO2, ensuite passer au volume du CO2 formé. Alors, à l'instant T égale T1/2, ou bien à n'importe quel instant T, la quantité de matière de CO2, C, elle est égale à X. Donc, en particulier à T égale T1/2, la quantité de matière de CO2 1/2, ça veut dire formée à l'instant T1/2, elle est égale à X1/2. Donc, la quantité de matière 1/2 de CO2, elle est égale à CVS sur 4. Or, la quantité de matière 1/2 de CO2,
il est égal au volume divisé par le V1 demi divisé par le volume molaire. Et donc je peux déduire V1 demi, le volume formé à l'instant T 1 demi, c'est Vm fois la quantité de matière 1 demi. Donc Vm fois cette quantité, ça veut dire CVS sur 4 fois Vm. Et maintenant, j'ai l'expression de Vn demi. Je dois faire l'application numérique. Vn demi de CO2, c'est 4 10 puissance moins 2, c'est la valeur de C, mol litre moins 1, multiplié par Vs, c'est 50 millilitres, ça veut dire 10 puissance moins 3 litres, fois 22,4 litres par mol, c'est le volume molaire dans ces conditions, divisé par 4. Donc, je trouve que Vn demi de CO2, c'est à peu près 1,12 10 puissance moins 2, et ici il faut faire attention aux unités, parce que ici vous avez mol fois mol moins 1 se simplifie, litre moins 1 fois litre se simplifie, il reste litre. Et c'est bien, litre c'est bien, c'est une unité du volume. Donc j'obtiens 1,12 10 puissance moins 2 en litre. Et pour adapter cette écriture, cette valeur à ce que j'ai sur la courbe, parce que le volume il est en millilitres, je dois la convertir en millilitres, ça veut dire que je dois multiplier par 10 puissance moins 3, donc j'obtiens 11,2 millilitres, ce qui va me permettre de déterminer l'abscisse correspondant, alors l'abscisse qui correspond à 11,2 millilitres, c'est... Elle correspond à la valeur du temps de demi-réaction T1/2. Et après avoir déterminé ce volume de CO2 dégagé au temps de demi-réaction, nous pouvons chercher graphiquement le temps T1/2. Alors, il suffit de se placer sur l'axe des ordonnées au point V1/2 égale 11,2 millilitres, approximativement. Alors, voici le point correspondant sur la courbe. Alors, ce point, il est d'abscisse T1/2. Ici, la lecture donne à peu près T1/2 égale à 60 secondes. Alors, 60 secondes, c'est le temps de demi-réaction de cette transformation chimique. Et pour la deuxième façon de procéder pour étudier ce suivi de cette transformation chimique, nous allons commencer d'abord par la première question dans laquelle on va exprimer la vitesse volumique de la réaction à un instant donné en fonction de H+, parce que dans cette étude, nous avons la concentration de H+ en fonction du temps. Donc, nous devons exprimer la vitesse volumique en fonction de la concentration de H+. Et nous allons partir du même tableau d'avancement. Et nous allons écrire qu'à l'instant T, à un instant T donné, ici nous allons nous concentrer sur la colonne de l'espèce H+. Alors la concentration de H+, à l'instant T, c'est sa quantité de matière, c'est CVS-2X, divisé par le volume de la solution, du mélange réactionnel, est égal à C, ici je simplifie par VS, il reste moins 2 sur V fois X. Donc, je trouve l'expression de X, X est égal CVS sur 2 moins VS sur 2 fois la concentration de H+. Ça veut dire l'avancement à un instant T donné. Alors, je suis en train de chercher la vitesse volumique, donc je dois chercher DX sur DT. Alors, DX sur DT, c'est alors la dérivée de X par rapport au temps. Ici, vous avez la dérivée d'une somme. La dérivée de CVS sur 2, alors CVS sur 2 c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Il reste moins V1 sur 2, la concentration de H+, que je dois dériver. Alors cette quantité contient moins VS sur 2 qui est une constante, et H+, la concentration de H+, qui est la variable. Donc la dérivée de ce terme, c'est la constante moins VS sur 2, multiplié par la dérivée de la concentration de H+ par rapport au temps. Donc j'obtiens, je remplace dans l'expression de V dx sur dt par son expression, ça veut dire que je divise dx sur dt par Vs, alors j'obtiens moins 1/2 la dérivée de la concentration de H+ par rapport au temps. Et après, je vais calculer
cette vitesse à un instant t donné. Et pour faire ce calcul, je dois me placer sur la courbe concentration de H plus en fonction du temps, à l'instant t considéré, et je vais prendre le point de la courbe correspondant et je trace la tangente à la courbe en ce point. Alors cette dérivée d de H plus par rapport au temps, la dérivée de la concentration par rapport au temps, c'est la pente de la tangente à la courbe en ce point, en cet instant, que je dois multiplier par moins 1/2. Ainsi, j'obtiens la vitesse volumique de cette réaction à cet instant. Et observez que d de H plus sur dt, parce que H plus est une fonction, la concentration de H plus est un réactif, donc cette concentration elle est diminue, donc sa pente, ou bien sa dérivée elle est négative, d'où j'obtiendrai une vitesse positive. Nous allons donc pouvoir déterminer la vitesse volumique de la réaction en utilisant cette relation V égale moins 1/2, la dérivée de la concentration de H plus par rapport au temps, à n'importe quel instant. Et ici, nous allons retrouver cette vitesse à l'instant t égale 50 secondes. Donc, je dois déterminer la dérivée de la concentration de H plus par rapport au temps, ça veut dire la pente de cette courbe, de la courbe H plus en fonction du temps, à l'instant t égale 50 secondes. Alors, graphiquement, voici ce que je dois faire. Je dois d'abord... Alors voici la courbe, elle est en rouge, représentative de H plus en millimoles par litre en fonction du temps en secondes. Voici l'abscisse T égale 50 secondes. Je cherche le point correspondant sur la courbe, le voici. En ce point, je trace la tangente à la courbe et je précise deux points. Je considère deux points quelconques de cette tangente, non pas de la courbe, mais de la tangente. Voici le premier point, voici le deuxième. Alors le premier, il est d'abscisse 20 secondes, d'ordonnée 30 millimoles par litre. Le deuxième, d'abscisse 75 secondes, d'ordonnée 15 millimoles par litre. Et donc la pente de cette tangente, c'est 15. Alors ici, il faut faire attention, ce n'est pas la valeur la plus grande moins la plus petite. Non, c'est les valeurs correspondant au deuxième point. Alors ici, le premier point dans le temps, selon l'axe des temps. Voici le premier point, voici le deuxième. Alors j'écris la deuxième valeur, ou bien la valeur du deuxième point, moins la valeur du premier point. Alors pour le deuxième point, vous avez 15 millimoles, le premier point 30, donc je fais 15 moins 30, divisé par 75 moins 20, dans cet ordre. Le premier point, le deuxième point. Les valeurs correspondant au deuxième, moins les valeurs correspondant au premier. Alors j'obtiens ainsi, alors 15 moins 30, divisé par 75 moins 20, 15. Alors, j'ai d'abord ce moins 1/2 fois 15 moins 30, et je dois écrire 10 puissance moins 3 pour avoir l'unité en mol par litre, divisé par 75 moins 20. Alors, j'obtiens, observez ici que vous avez un nombre négatif fois ceci moins, ça va donner un nombre positif. C'est parce que la vitesse, elle doit être positive. Donc, à peu près 1,36, 10 puissance moins 4, mol, litre moins 1, seconde moins 1. Et pour la quatrième question, nous devons déterminer, ou bien plutôt retrouver, la valeur du temps de demi-réaction par cette méthode, en utilisant la courbe concentration de H+, en fonction du temps. Et pour cela, nous devons chercher quelle est d'abord la concentration de H+, correspondant à ce temps de demi-réaction. Connaissant cette concentration, je peux déduire T1/2 sur la courbe. Alors pour cela, je vais partir comme pour la méthode précédente,
à t égale t1 demi, nous avons trouvé que x1 demi égale cvs sur 4. Alors je dois chercher la concentration de H plus à cet instant t1 demi. Et je dois commencer d'abord par établir la concentration de H plus à un instant t quelconque. La concentration de H plus est égale cvs moins 2x sur vs, ça veut dire c moins 2 sur vs x. Et cette relation à l'instant t1 demi, elle devient concentration de H plus à l'instant t1 demi, elle est égale à c moins 2 sur vs xn demi. Je remplace xn demi par son expression cvs sur 4. J'obtiens la concentration à l'instant t1 demi est égale c moins 2 sur vs fois cvs sur 4. Je simplifie par 2 et par vs, j'obtiens c moins c sur 2, ça veut dire c sur 2. Je remplace par la valeur numérique, j'obtiens 2 10 puissance moins 2, parce que 4 10 puissance moins 2 sur 2, c'est 2 10 puissance moins 2 mol par litre. Et pour adapter cette écriture, cette unité à l'unité utilisée dans la courbe, je dois la convertir en millimol par litre. Je multiplie par 10 puissance 3, j'obtiens 20 millimol par litre. Alors, sachant que H plus N demi est égal à 20 millimol par litre, c'est l'ordonnée de l'abscisse TN demi que je peux déterminer maintenant sur la courbe concentration de H plus en fonction du temps. Et connaissant cette concentration de H plus à l'instant Tn demi, au temps de demi-réaction, nous pouvons déterminer ce temps graphiquement, tout simplement en prenant le point, l'ordonnée 20 millimol par litre. Alors voici le point correspondant sur la courbe H plus en fonction du temps. Alors ce point, il est l'abscisse Tn demi. Et ce temps ici, il est à peu près égal à 59 secondes. Et enfin, nous allons récapituler les points principaux de cet exercice. Dans cet exercice, il s'agit de l'étude du suivi de cette réaction chimique, d'une transformation chimique, de calculer la vitesse volumique en un instant t égale 50 secondes, et de calculer et de déterminer son temps de demi-réaction, mais par deux méthodes. La première, dans laquelle on réalise le suivi par le volume du CO2 gazeux dégagé. Dans la deuxième, en mesurant la concentration de H+ restant en solution. Alors, pour déterminer la vitesse volumique, nous étions partis, pour les deux méthodes, de la même expression V égale 1 sur Vs dx sur dt. Pour la première méthode, nous avons établi que V est égal à 1 sur Vs Vm, la dérivée du V du CO2 par rapport au temps. Ça veut dire que nous l'avons exprimé en fonction du V du CO2. Pour la deuxième méthode, nous avons exprimé V en fonction de la concentration de H+. Et nous avons obtenu moins 1,5, la dérivée de H+, par rapport au temps. Nous avons tracé les courbes V du CO2 en fonction du temps et H+ en fonction du temps. Nous avons, pour déterminer cette vitesse volumique, nous avons tracé la tangente à t égale 50 secondes et nous avons déterminé la pente de cette tangente, c'est d de v sur dt. Ensuite, nous l'avons multiplié par 1 sur vs fois vm. De même ici, nous avons tracé la tangente à la courbe à t égale 50 secondes et nous avons déterminé cette pente, la dérivée de h plus par rapport au temps. Et la vitesse, c'est cette pente fois moins 1,5. Ensuite, pour déterminer t1,5, nous étions partis de la même définition. À l'instant t égale t1,5, x1,5 doit être égal à x max sur 2. Bon, ici, x final est égal à x max parce que la réaction elle est totale. Alors, pour la première méthode, nous avons déterminé v1,5. Du CO2, ça veut dire le volume dégagé à l'instant t1,5, cvs vm sur 4, et ce vn1,5, nous avons cherché l'abscisse qui lui correspond, c'est le temps t1,5. De même, ici, nous avons cherché, d'après cette définition, quelle est la concentration de H+, restant
À l'instant t1,5, nous avons trouvé que c'est C sur 2, la concentration initiale divisée par 2, et nous avons cherché sur la courbe H plus en fonction du temps, l'abscisse, ça veut dire le temps correspondant à H plus 1,5, c'est le temps t1,5. Ensuite, parce que dans la dernière question, on nous demande de discuter cette différence entre les valeurs trouvées par les deux méthodes. Donc, pour la première méthode, V égale 1,30 10 puissance moins 4 mol litre moins 1 seconde moins 1. Pour la deuxième, 1,36 10 puissance moins 4, vous voyez qu'il y a une différence. T1,5 égale 60, T1,5 égale 59. Alors, ces différences, on peut dire que parce que il y a une valeur théorique, parce qu'on doit trouver la même valeur théoriquement, mais puisque ce sont des méthodes expérimentales, c'est très difficile d'avoir ici la même valeur, parce que expérimentalement, par exemple, dans la première méthode, on peut commettre des erreurs sur la mesure quand on mesure le volume du CO2 dégagé dans l'éprouvette graduée, parce que la lecture ne peut pas être très 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 précise, elle est approximative. Aussi, dans le tracé de la courbe, dans l'emplacement de la tangente, c'est très difficile de placer la tangente exactement quand elle le doit être. Aussi, dans la lecture ici, parce que c'est une lecture graphique, T1,5, il y a des erreurs de mesure, des erreurs de lecture. De même, pour la deuxième méthode, H+, on doit mesurer le pH par un pH mètre, donc la lecture peut être approximative. Et le tracé de la courbe aussi, il y a des erreurs. L'emplacement de la tangente aussi, il y a des erreurs. Les points qu'on considère pour mesurer la pente, pour calculer la pente, les points, la lecture de l'abscisse et de l'ordonnée de ces points. On peut commettre des erreurs pour ces points. De même, pour la concentration de H+, et la lecture de T1,5, elle peut être erronée ou bien approximative, ce qui fait que les deux valeurs trouvées ne correspondent pas exactement à la valeur théorique, mais ils sont très proches et ils sont très proches aussi entre elles. Ceci est dû aux erreurs expérimentales ou bien aux incertitudes expérimentales commises au cours de l'étude.